Salut les amis, c'est Warlord, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Jedi Fallen Order. Donc la fois dernière, nous étions sur la planète Kashyyyk. Nous avions donc libéré en fait les prisonniers Wookiees de l'emprise, donc des forces de l'Empire. Et donc nous avions appris en fait qu'il y avait les forces de l'Empire étaient encore présentes sur Zepho. Ils avaient découvert en fait un autre artefact. Bah écoutez, normalement c'est l'endroit où on doit se rendre, hein, justement. On doit aller fouiller le site, c'est ce qu'ils doivent se dire. Alors attendez, on va aller voir ça. Hop. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Prêt à bouger? Voilà, enquêter sur le site de fouille de l'Empire sur Zepho. Eh bah écoutez, c'est parti, on se donne rendez-vous là-bas. On va aller tout de suite continuer l'histoire. Retour sur Zepho, hein? Eh ouais. L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, dommage. Un des gars de Sceau m'a parlé d'un match en jeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Oh, c'est naze! Je les verrai venir même à 3 par sec. Tes paris deux nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et voilà. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Ah, c'est très rapide les voyages. Et nous revoilà sur Zepho. Alors, donc endroit que l'on connaît déjà, hein. Alors, nouvel objectif qui se situe très loin. Beaucoup trop loin, effectivement. D'accord, donc c'est une épave en fait. Qui va falloir traverser. Ok. Ok, bah écoutez. Alors, je me rappelle que j'étais par un. Qu'est-ce qu'il veut lui? Le monde natal des Zepho. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Ok, super. Le passé était important pour lui? Oui, c'était très. Voilà. Alors, on va pas perdre de temps avec elle, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Toujours pas de Stormtrooper en vue. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. Tant mieux pour vous. Mais les grottes en sont remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. Alors, ça doit être un raccourci. C'est par là? D'accord. Allez, go. Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Et comment? Ah! Allez, go. Voilà. Pas évident. Tac. Bon, ça paraît pas comme ça, mais en fait, c'est chaud. Hein. Ça commence bien. BD, j'ai besoin d'aide. La cible a été tuée. Ça s'annonce mal. Tu peux pas me vaincre. Bah ouais. Il semblerait que tu te sois trompé. Contre, du coup. Donc l'objectif est par là-bas. Ok, donc il faudrait continuer encore. On va essayer.
Hop. Ah, dès qu'on a les combos qu'il faut, ça va mieux. Hein. Par contre là, ouais. Mais tu vas te calmer tout de suite, je te le dis. Alors ok, hop, voyons. Ah non, je... Allez Zen, on se détend là. Déjà si t'es logique, voilà, tu vas dans ce sens. Voilà. Là, regardez. Bon, d'accord. Toi et moi, vermine. Ouais, vermine, comme tu dis. Je vais t'écraser. Ah bon? C'est marrant, c'est pas ce que je vois. Ah bon, c'est pas grave. On va dire que c'est un manque d'analyse. Alors. Oh shit. Ah ouais, merde, ça se trouve. Ça se trouve, fallait pas. Si on va arriver là, ok. Ah bah si, ça doit être ça. Ah bah si, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Tac 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 tac. Là-bas il y aura un raccourci. On va voir. Tu peux me donner un steam, BD? Je me sens mieux. Récupérons nos Steam. Un petit écho. Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. Ouais. Pas étonnant. Alors... Alors, y'a rien, ok. Ah bah oui, c'est du crash, on connaît ici. On connaît. D'accord. Ouais ouais, bah oui, on connaît du coup. On avait déjà fait une partie de vidéo ici. Hop. Il y avait quelque chose là-haut, mais je sais plus. Je sais plus comment ça se déverrouillait, mais je crois qu'il y avait un truc là. On va aller regarder ça. Ah, il me semblait bien. Il me semblait bien. Une petite surcharge. Ouf. D'accord. Au travail, Billy. Wouah. Ah d'accord, j'ai trouvé, ok. Bah. D'accord, super.
tué lors d'une terrible catastrophe il y a bien longtemps. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, t'as trouvé un truc toi? Ah oui, d'accord. Hey, BD. En même temps, il suffisait d'interrompre la séquence et je crois que ça aurait figé les trucs, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ah, tu veux te... D'accord. Un autre Steam. Hop. Allez, vas-y, viens. C'est bon, fini. Parfait. Maintenant, on me fout la paix. Alors. J'ai besoin d'aide. Ouais. Quand on va être honnête, je me sens beaucoup mieux. Ouais, moi aussi. Alors. J'en vais y aller proprement. Voilà, comme ça. Ouais, ça doit être là-haut normalement, de toute façon. Allez, vas-y, continue. T'en veux encore une? Non? Ok. Ou alors, par contre, faut aller où là? Tac, 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 tac. Ah, on serait pas obligé. Encore? Non? Ok. Ça doit être ça alors. On peut ou pas? Ah oui. Je le savais en plus hein. Je le savais. C'est ça le pire. Ah. Allez go. Alors ouais voilà, c'est ce que j'avais vu, donc on va pouvoir pirater ce truc. Là, normalement on va atterrir sur le nouveau site. Tac. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, normalement... Ouais, on va atterrir en mon endroit. Tac. Ok. Oui, ben non, bah, on va pas refaire dans l'autre sens. Donc là, ok, j'ai vu... Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il y a rien. Ok. Non, y'a rien. Allez, go.
Je crois qu'on se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Alors, site de fouille impériale, ok, donc on est à l'endroit où il fallait normalement. Enfin, de toute façon, on a eu le petit scénario, donc c'est que c'est bon. Ok, parfait. C'était génial, BD. Ils sont pas mal, non? Lance-moi un Steam, BD. Juste à temps. Ah non, mais je suis pété. Mais non, pas capture. Être utile. Dégâts subis. Je le tiens. Je finirai par l'avoir. Mais fous-moi la paix, toi. Voilà. Il est inutile de résister. Ne bougez pas. Humain sans intérêt. Ah mais lol, t'es sérieux toi? Jedi inférieur. Le Jedi récupère. Un petit combat. Combat de robot. Vous le regretterez. Douleur infligée. Vous le regretterez. Voilà. Ça c'est génial, on s'en est fait. Voilà, on a deux potes. Alors, obtenir amélioration, ça c'est pas mal. Oh, trop bien! Une tyrolienne! Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? Une tyrolienne! On doit pouvoir atteindre le tombeau. Mais c'est trop bien ça! Utiliser la tyrolienne dans les. D'accord, ouais. D'accord, donc ça sera là-bas forcément. Mais... Donc ça ici, ça sera un raccourci qu'on va débloquer à mon avis. Parfait. Tyrolienne, c'est top ça. Alors comment ça fonctionne? On a ici par là, non? Non? Ah oui, non, d'accord, ok. Ouais, oh, trop bien. Ah, c'est pratique ça. Et après, ouais, ça sera là-bas. D'accord. Eh hey, BD, on y va. Ah j'avais pas vu ça par contre. C'est ballot. Alors du coup on a aussi... On a un point de compétence. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme compétence? Augmente la distance parcourue par quel lors de la charge. C'est un aqua qu'elle regagne plus de force. Ah, ça pourrait être pas mal ça. En chargeant le ralentissement, qu'elle peut ralentir sa cible pendant plus longtemps. Ouais, c'est vrai que ça serait pratique. Sinon, y'a quoi là? Un sprint calme, une attaque spéciale au sabre laser. D'accord. En attaquant après une esquive rapide. Ouais, ça j'aime bien ça. Ouais, ça permet d'éloigner la cible. Nickel.
Alors, ok pour ça. Par contre, comment je fais? Ah bah oui, mais comment je fais? Bah oui. Voilà, comment je fais? Tac. Voilà. Ah non, punaise. C'était génial, BD. Ouais, c'était génial. On décolle. Voilà. Là, c'est génial. Ok, donc là, on y est. Ensuite, faut aller là-bas. Ah, punaise, mais... Faut que j'ouvre les yeux, moi. Voilà. Le Jedi est là. Je crois que j'ai pas le choix. J'ai besoin de tes lunettes. Aidez-moi à le battre. Suivons-le. Méfiez-vous. Ouais, on va se calmer, hein. Il est touché. Occupez-vous de moi. Bah, il prend un steampack, là. Eh ben, c'était laborieux pour être honnête, hein. Ah, c'était n'importe quoi. Là. Ah, c'est quoi ça? D'accord, ok. Je le sens pas bien, BD. Ah ouais, bah ça c'est ça clair. Tombe à pic. T'as pris cher, mon pote. Hein. On a rien qui traîne, ok. Parfait. Oh, y'a un truc là-bas. Là. D'accord, j'ai vu, ça sera par. Va falloir escalader un mur. Ah bah oui, c'est le fameux raccourci. Ça doit être le fameux gardien, ça. Bah oui, c'est le fameux gardien. Alors non, on va pas interrompre la charge parce que le problème c'est que là, il y a les droïdes et j'ai pas trop envie. Alors, on va continuer par là-bas. Je te vois, Jedi. Ah bah je t'avais pas vu, moi, ça tombe bien. Ta fin est proche. Allez, viens. Je te manquerai pas. Tu tiendras pas longtemps. Je te vaincrai. Ouais, t'as des phrases toutes faites comme ça ou... Par ici, BD. Aide-moi, BD. Esquive autant que tu veux. Tes capacités sont horribles. Tu perds bien. Voilà. Ah ouais, mon pote. On va repasser à une lame parce que là c'était pas. T'as trouvé quelque chose? Ouais, fais-moi voir. Parfait, merci mon petit BD. Ok. Oh, y a un truc là-bas là. Ah bah, c'est de l'autre côté, ok. Un ouvrier a laissé ses outils.
Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Mesure destructive. Ça fait bien. Ok. Y'a rien d'autre? Non, pas trop le choix. Ouais, ça sera par là. Allez, go. Mais... Ça, j'aimerais bien comprendre comment ça se fait que quand je shoot en avant, il le prend pas. On est obligé de se mettre bien en dessous, là. T'as pas enchaîné, hein. Moi je vais déjà prendre ça. Mes hommes vont redoubler d'efforts. On y arrivera, officier Crane. Ah! Qui va faire plaisir là, c'est ça. J'ai vu le truc de méditation là, voilà. Parce que là pour le coup c'était la dèche là. Nickel, merci bien. Au revoir madame. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc ça. Donc j'ai vu le courant d'air, ok. J'ai vu le courant d'air. D'accord. Je pense pas que ce soit par là pour le moment. Ça s'ouvre pas, d'accord. Oui. Ah d'accord, ok. Lol. Je suis passé dessus plein de fois, mais bon. Oh là là. Comme c'est prévisible. Ah oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Incroyable. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Bah si. Ah bah elle avait raison. Ce n'était rien. Tu veux en finir? Pourquoi t'as envie? Tu es sûr d'être un Jedi? Non, j'ai un doute. Ton heure a bientôt sonné. Allez, viens. Non, je rigolais quand je disais viens. Pas assez rapide. Même qu'elle est concentrée, il parle plus. C'est trop facile. Mais c'est normal par contre que sa vie elle pèse pas trop. Tu ne pourras pas toujours fuir. J'ai enduré bien pire que ça. Ce n'est pas de taille.
Ah oui, là par contre. Amateur. Bon, allez, viens. Que dirait Jaro Tapal s'il pouvait te voir en ce moment? Ah hey, BD! Oh mais lol. Vous inquiétez pas, ça fait partie du scénar, vous inquiétez pas. Putain, merci BD. Je progresse. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Ah, je m'en doutais. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Ah, c'était bien elle, la padawan. Je m'en doutais. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi? Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande. Que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Ah ouais! Ah ouais! Par contre, vas-y, je la défonçais, hein. Et pourquoi BD t'as mis ça, là? Moi, je la défonçais, là. Ah bon. Ah là. Bon, bah, je m'en doutais un petit peu, hein, dans le scénario. Je sais plus si je l'avais dit en vidéo, mais je me doutais un peu que, du coup, la Padawan, c'était bien une des sœurs. Bon, allez, on continue. En tout cas, super combat, c'était stylé.